concentré. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes de cuisson, des cuissons basse température au four, sur le gaz, en thermopongeur. Il faut être très, très vigilant qu'il n'y ait pas un raté, quoi. Il y a des difficultés précises, peut-être justement, les outils, vous ne connaissez pas forcément. La cellule de refroidissement rapide, quand on met des inserts sur les terrines, là, tout le monde ouvre les portes pour que chacun puisse mettre ses produits. Et du coup, ça fait que ça ne refroidit pas. Donc, les intérieurs bougent un peu, c'est un petit peu... on s'adapte, hein, c'est pour tout le monde pareil. Donc. Et là, qu'est-ce que vous avez préparé, justement? Là, c'est pour le jambonneau foie gras, amandes et pistaches en bluff. Et là, c'est la terrine de poisson sans bricoris que demain, on montrera en croûte de brioche. L'objectif, déjà, c'est de gagner, hein, comme tous les participants. Après, c'est la reconnaissance aussi du métier. On apprend beaucoup de choses, on rencontre du monde. Et puis après, on peut transmettre aussi, nous, à nos apprentis, nos salariés, leur donner l'envie de toujours aller plus loin. Alors, aujourd'hui et demain, c'est la même conception. Chacun voit comment commencer. Si on commence par la viande, le poisson, tout le monde a sa propre organisation. Il n'y a pas de règles, c'est eux qui se gèrent. Il y a 5 produits. Vous avez une andouillette au poivre vert et une moutarde à l'ancienne. Il y a une terrine de cendre et écrevisse en croûte de brioche. Un vol au vent, 3 volailles. Pigeon farci au cèpe. Et le dernier produit, c'est un kouglof de jambonneau, mendiant, pistache et amande. Il n'y a pas de difficulté sur un concours. On n'est pas là pour les piéger. Déjà, ils ont le sujet en amont, bien avant. Ça fait quelques mois qu'ils l'ont, donc ils ont pu s'entraîner, tester ce qui allait, ce qui n'allait pas. Les seules difficultés, j'ai envie de dire, c'est eux-mêmes qui vont se les créer. Par le fait que déjà ils sont sur un espace qu'ils ne connaissent pas. C'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur qu'à la maison. Mais en termes de produits, il n'y a pas de difficulté. On est attentif vraiment aux fabrications, aux techniques que chacun. Que chacun utilise, au montage des terrines, s'il y a des intérieurs dans les terrines, des centres, la façon d'élaborer les jus qui sont super importants pour apporter du goût dans les produits. Voilà, on est là pour ça, on est là aussi pour examiner le comportement du candidat, l'hygiène sur le plan de travail, parce que c'est hyper important, ne pas mélanger le poisson avec la viande, etc. Et puis notamment l'organisation en général. Le prestige que ça veut leur apporter, qu'ils soient gagnants ou perdants, déjà, c'est d'être arrivé au bout, pour moi, parce que c'est ce que je pensais, moi, pour les concours. Moi, les concours m'ont toujours fait grandir, parce que déjà, on vient se comparer aux autres. C'est sûr qu'il y a une rivalité, mais il y a aussi une convivialité qui se fait pendant ces 3 jours, parce qu'ils sont tout le temps ensemble, que ce soit dans les labos ou même à l'hôtel, etc. Il y a des discussions, des échanges. Donc, sortir d'un concours gagnant, c'est beau. Perdant, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'il va ressortir triste, mais il ne faut pas qu'il prenne ça comme une pénalité, et surtout il faut qu'il voit ça comme un tremplin, et surtout qu'il lui permette de grandir dans le métier et qu'il revienne l'année prochaine, peut-être pas au Grand Prix parce que c'est tous les 2 ans, mais au chef charcutier traiteur qui se déroule à Bordeaux l'année prochaine. On a toujours besoin, que ce soit dans n'importe quel corps de métier, de valoriser le métier, de montrer aux gens ce que l'on sait faire. Il faut arrêter les préjugés, le charcutier ne fait que le boudin, le pâté, le saucisson à l'ail, etc. Certes, il fait ça, mais il fait derrière aussi de la pâtisserie salée, de la pâtisserie sucrée. Il fait des terrines de poisson, il fait des plats cuisinés. C'est le métier le plus diversifié, par contre, en termes de produits que l'on a.